Ouais, survivant, bienvenue sur VLFR.gaming. Bon, on se retrouve pour une vidéo magnifique. On est sur le PTR, le mode 3D. Là, et je pense, va être disponible incessamment sous peu pour tout le monde. Donc non, juste magnifique. On a vu ça l'autre jour en live. Là, je vous fais une petite vidéo. Donc déjà, pour vous montrer comment on active le mode 3D. Donc, dans les paramètres... Setting, game, et on descend tout en bas, et vous avez juste le bouton on et off à activer. Ça va vous retélécharger un petit peu de données du jeu, et après vous serez en mode 3D. Donc pour l'instant, je n'ai pas vraiment essayé, en plus on est sur le PTR, je suis resté en mode balancé, performance, quality, j'ai pas vraiment changé. Donc voilà, vous avez juste à activer le mode 3D, et on se retrouve avec... Non, sérieusement, juste... Magnifique, j'adore. Là, on est vraiment dans quelque chose et on a essayé les skins. Ils sont juste tous magnifiques. Les détails, les. Regardez. Non, mais s'il vous plaît. Le zoom, s'il vous plaît. On peut aller faire un petit tour dans la prison. On peut. Non. Franchement, top. Plein de petites choses qui ont changé. En fait, tout ce qu'on a en aspect visuel. Devant nous toute la journée, en fait, c'est là où ça va changer. Donc, ce qu'on va clam au niveau du VIP aussi, ça a changé, mais ça reste fonctionnel, ça reste toujours la même chose. C'est vraiment des graphismes. Alors, il y a ça, voilà, notre event center où bon, faut le temps de s'y habituer. Non, moi, j'aimais bien mon petit tableau, c'était clair et lisible. Là, c'est magnifique, il y a énormément de travail, c'est juste somptueux. Au moins, après, le reste, rien ne change. Quand vous rentrez dans les events, là, vous avez la première page, pareil, qui change. Le reste, ensuite, tout ce qui est gameplay en lui-même, ça ne change pas. Donc, ça ne va pas trop nous perturber. C'est vraiment juste l'aspect visuel, ce qu'on a en premier plan. Là, par exemple, pour les membres, il m'a fallu deux minutes, presque, pour aller voir qu'il faut aller appuyer en haut, là où il y a les bonhommes. Pour aller au niveau des clans. Donc, il y a plein de petits trucs. On a les rankings maintenant qui sont visibles, qui sont différents. Plein de choses ont changé. Et surtout, le mode 3D. C'est les graphismes, la qualité, le zoom. Vous pouvez... Non, regardez, sérieusement, toutes les décorations. On peut vraiment apprécier toutes les décorations. Non, c'est vraiment sympa. Vraiment cool. Pareil au niveau des héros, on a le fond en arrière, le background qui a changé. Non, vraiment, je suis pressé et je pense que je suis pas le seul à avoir la nouvelle mise à jour. Pareil sur la carte, vous avez un système de déplacement, la Google Maps. Donc moi, je trouve que c'est plus fluide, plus facile. Après, à voir. Faut pas oublier qu'il faut le temps qu'on s'habitue. Ça fait des mois, des années qu'on joue sur le même jeu. Il va falloir un petit peu de temps pour s'habituer. Mais je trouve ça... Ah, la qualité des décorations. Non, il y a du boulot. Vraiment, un grand merci à KG parce que là... on sait le dire quand c'est dégueulasse, mais alors, regardez... Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, c'est juste magnifique. Donc voilà, encore une fois, je vous remontre un coup. Setting, game. Et vous allez juste aller là. Vous activez le mode 3D. Alors par contre, hein, les uluberlus comme moi avec un LD player, des multi-comptes, etc. Allez pas activer le mode 3D sur 25 comptes en même temps, c'est pas la peine. Ça va forcément consommer un petit peu plus et ça va être difficile de mettre du mode 3D sur 25 comptes en même temps. Mais voilà, sinon, juste à l'activer et à profiter. Je vous laisse avec vos petites théories. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va avoir bientôt un bateau? Est-ce qu'on va avoir un train? Voilà, il y en a, ils disent que Gulti, il est là sur une perspective de bateau bientôt. On a eu l'avion, maintenant on va avoir le bateau peut-être après. Donc voilà, je vous laisse mettre en commentaire si jamais vous pensez qu'il y a quelque chose qui va se passer avec ce petit bateau ou quoi ou qu'est-ce. Bon, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao !